Coucou, on se retrouve dans un nouveau vlog. Je suis en voiture, je ne conduis pas, je suis à l'arrêt. J'attends mes parents. J'étais partie chez eux hier soir. Oh, ça bouge. J'étais refaire mes ongles chez Mylène. Comme vous voyez, j'ai fait très très court. On a fait le plus naturel possible, donc franchement, ça fait main propre quoi. Et comme Mylène n'habite pas très très loin de chez mes parents, j'ai été, comme on dit, tété ma goutte. Ça faisait trop longtemps que je les avais vus, ça me manquait un petit peu, donc j'y suis allée. Et là, ils ont un rendez-vous. Et après, du coup, on va passer la journée à Caen. Moi, je reprends ce soir. Hein. Je dormirai demain matin, c'est pas grave. Et on va passer la journée à Caen, parce qu'ils ont bientôt un mariage et ma mère voudrait s'habiller, en sachant qu'elle a perdu plus de 20 kilos. Elle aimerait beaucoup se rhabiller et trouver une tenue pour le mariage. Donc voilà, et puis je me suis dit comme ça, c'était l'occasion de passer une petite journée avec eux. Très bizarre le camion qui vient de passer. Très bizarre. Je vous montrerai, ils nous ont ramené des petits cadeaux parce qu'ils ont été au Portugal. Du coup, ils nous ont ramené 2-3 petites choses, donc je vous montrerai ça. Et Mylène est partie au Maroc en vacances et elle m'a ramené un joli petit cadeau également. On a l'habitude de s'offrir un petit cadeau à chacun de nos petits voyages. Pas de panique, c'est la voiture. Un petit aimant. Et du coup, elle m'a offert ça. Et franchement, elle est trop jolie. Donc voilà. Sinon, je ne sais pas trop si les vidéos vous plaisent toujours autant. Ils sont très bizarres, les gens ici. Je ne sais pas trop si les vidéos vous plaisent toujours autant parce que il y a un petit peu moins de vues là depuis qu'on est rentré de vacances. Donc je ne sais pas. Peut-être que ça ne vous intéresse pas ou quoi. Hein. Ou bah, on a tous une vie aussi. Hein. On n'a pas 3 heures à regarder des vidéos. Hein. Je ne suis pas la seule sur YouTube. Donc voilà. Mais dites-moi si les vidéos ou si vous en avez un peu marre en ce moment. Ou pas forcément de moi. Hein. Ça peut être de YouTube ou de moi. Hein. N'hésitez pas à me le dire. Je le prendrai pas mal. Sinon, j'ai rendez-vous. J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur le 3 octobre à 14h. Parce que je n'en peux plus. Là, c'est trop jaune pour moi, vous voyez. J'en peux plus. Ils sont hyper secs, un truc de fou. Le soleil du sud leur a pas fait du bien, je pense. Et il n'y a pas que le soleil du sud, j'ai envie de vous dire. On a eu tellement beau temps tout l'été. Donc, voilà. Sinon, le rééquilibrage suit toujours. Franchement, ça va. Je tiens plutôt bien le cap pour le moment. On va quand même se faire un petit resto ce midi, mais je pense que je vais prendre une salade. J'ai envie d'une salade de chèvre. Je vais bien voir. Vous verrez ça dans la vidéo. J'ai envie d'une salade de chèvre ou une flamme, vous savez. Je sais pas ce que je vais prendre. On verra bien. Bref, je vais vous laisser là. J'ai pris mon beau sac Paul Marius. Merde, si je fais des conneries. Hop, j'ai pris mon beau sac Paul Marius. Et puis voilà. Je sais pas trop quelle heure il est. Oh, j'ai le temps quoi de les attendre. Je vais regarder une vidéo YouTube, vous voyez, j'ai 5 minutes à regarder. Bref, du coup, moi je vous dis, du coup, hein, je vous dis à tout à l'heure. Je prends très tard. Pas que je viens de me lever, hein. Je me suis levée à 13h30. Après, je n'ai rien fait. Je me suis posée dans mon canapé et écoutez, je me suis endormie. Ce soir, on a mes beaux-parents à manger. Donc, j'ai fait une tartiflette cheat meal. Et on a une nouvelle boulangerie et les gâteaux sont trop, trop bons, très délicats, tout ça. Du coup, j'ai voulu leur faire goûter, leur faire plaisir. Donc, j'ai été acheter ça. J'ai une tronche. Je ne suis pas maquillée ni rien. Bref, hier, vous savez, j'ai été à Caen et il y a une grande, grande jardinerie à If. Où ils font des trop trop beaux bouquets. Du coup, je m'en suis payé un à 15,90€. Et il ressemble à ça. Moi, j'aime trop ce mélange de blanc vert. J'adore. Là, vous avez un chat qui dort ici. Enfin, c'est la fête à la maison. Donc voilà, franchement, j'aime trop. Je le trouve trop trop beau. Et mon vase, si vous me demandez, il vient de chez Maison du Monde. Ça fait un moment que je l'ai acheté. J'avais craqué dessus sur le net. Donc, je l'avais acheté. Et en plus, à chaque passage
en caisse, ils vous offraient une petite plante, celle que vous voulez. Donc moi j'ai choisi une petite gerbera, j'aime beaucoup les gerberas, je trouve que c'est trop joli. Donc voilà, pour l'instant je l'ai mis dans ma cuisine, parce que je ne sais pas où la mettre pour le moment, et puis avec les chats, vous savez. Demain j'aimerais bien aller à Action, acheter un peu de déco automnale, je sais pas, j'ai envie de décorer ma maison. Là, j'ai ma tartiflette qui est en cours. Donc moi je fais toujours revenir mes petites pommes de terre façon pommes de terre sautées. À côté, je fais des lardons de bacon que je fais bien griller. J'enlève tout le gras, je remets dans ma poêle avec un oignon, un gros oignon et de la crème du poivre. Je ne mets pas de sel parce que je trouve que dans les lardons, c'est assez salé. Ensuite, je mélange tout ça. Je mets mon fromage à tartiflette qu'on a failli pas manger parce que je suis allée à le faire. C'est le dernier, donc forcément, c'était le plus cher. Donc après, je coupe mon fromage à tartiflette, je le mets dessus. Je mets ça au four pendant une demi-heure avec une petite salade. C'est trop, trop bon. Donc voilà. Sinon, j'ai fait un petit peu de ménage, Bobo a passé, et j'ai fait les litières. J'avais pas trop l'intention de les faire aujourd'hui, mais c'est fait. On a un temps pourri, il pleut depuis ce midi, averse. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit ce que j'ai fait aujourd'hui. Bon voilà, j'ai été à Leclerc. Bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'étais en repos aujourd'hui, mais je reprends, enfin j'ai fini ce matin à 7h. Mais je reprends demain samedi à 21h pour samedi dimanche. Et après les nuits, c'est terminé pour le moment, malheureusement. Et je reprendrai deux jours mercredi. Ce vlog, je pense que je vous le mettrai en ligne mardi, lundi ou mardi. On verra bien. Si je fais des achats Action, j'en fais beaucoup, vous aurez eu une vidéo ou l'Action. Sinon, je vous mettrai ça dans ce vlog-là demain. Donc voilà, tout ce que j'avais à vous dire. Demain, il faudrait que j'y achète une ou deux petits trucs aux courses. Parce que là, j'ai fait juste les lardons de bacon, la crème et le fromage à l'artiflette, franchement. Mais on n'a plus de viande, tout ça. Donc, écoutez, avant de faire un gros plein de courses la semaine prochaine, j'attends ma paye pour faire un gros plein de courses, hein, comme tout le monde. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Bref, moi, je ne vais pas vous prendre aujourd'hui, parce que je vous dis, j'ai mes beaux-parents et la grand-mère Amat qui vient manger. Donc, je vous dis à demain. Bonne soirée et pour vous dans deux secondes. Coucou, nous sommes dimanche. Il est 4h30. J'arrête pas de tousser. J'ai quelque chose de coincé, c'est horrible. Coucou. Nous sommes dimanche. Il est 4h30. Je pleure pas. J'ai eu une quinte de toux. C'était horrible. Bref. Il me reste encore une nuit, la dernière. J'espère qu'elle se passera bien. Je vais faire un petit peu de ménage là tantôt. Je vais faire également des crêpes puisque ce soir c'est ma dernière nuit et j'ai envie de faire plaisir à mes collègues. Ce sont de bonnes collègues donc je me suis dit que j'allais leur emmener des crêpes. Ça fait 10 jours qu'on parle de crêpes donc je vais en faire. Mais je vais faire un petit brin de ménage, je vais voir si je filme ou pas, je verrai bien. Je pense que vous aurez ce vlog demain, lundi. Je ne sais pas à quelle heure, vous savez, moi il n'y a plus d'heure. Hein. La plupart du temps, c'est 17h30, mais les vlogs, ça peut être 20h, 21h. Bon, c'est pas très grave, hein, du moment que vous en avez un. Et puis voilà, je vais faire une tarte poireau saumon également ce soir. Je suis allée à Action, vous n'avez pas eu de vidéo Action, vous n'avez pas eu beaucoup de vidéos cette semaine, je suis désolée. Mais parce que j'ai pas tout trouvé dans mon Action, donc je compte y retourner lundi ou mardi, donc vous aurez une vidéo Action dans la semaine après ce vlog. Je voulais vous dire aussi, n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos, parce que franchement, je commence à être en manque d'inspiration. Vous allez avoir une vidéo poids et PMA très bientôt, mais comme on a un rendez-vous mardi après-midi PMA, je préfère attendre le rendez-vous pour vous en dire un petit peu plus. Bon, c'est parti, je me mets au ménage, Matt n'est pas là, il est parti aider un copain à nous, donc je me motive.
Désodorisant textile Febreze sur mes rideaux, canapés, coussins, tapis, etc. À chaque fois que je fais le ménage, donc on va dire à chaque fois que je passe l'aspirateur, donc tous les jours, quoi. Et je trouve que ça donne un air frais. Il n'y a pas d'odeur, enfin, il y a une petite odeur quand vous le mettez, mais après, il n'y a pas d'odeur dans votre maison. Ça donne un coup de frais, ça désodorise, je trouve. Nous, notre salle, vous voyez, elle est ouverte un peu partout, hein. Ici, là-bas et par là-haut. Donc, c'est vrai qu'on a les odeurs de nourriture, etc. des fois. Qu'avec ça, franchement, c'est nickel. Donc, voilà. Pour le ménage, j'en peux plus. Je suis naze. J'ai hyper mal au dos, en plus. C'est le truc qui m'énerve le plus. Voilà, il va salir, tiens. Bref, je vous dis à tout à l'heure. Coucou. Donc, nous sommes mardi. Vous aurez dû avoir ce vlog bien plus tôt. Je vais vous parler plus près. Vous auriez dû avoir ce vlog bien plus tôt. Vous aurez dû l'avoir hier lundi. Mais on a eu plein de choses d'imprévues, désolé. Donc, voilà. Bref, là, je vais clôturer ce vlog maintenant. On a un gros rendez-vous PMA tout à l'heure. On va partir dans 5 minutes. J'ai fini de préparer. J'ai mis mes petites boucles d'oreilles. Je sais pas si vous allez bien voir. Mes petites boucles d'oreilles Wouwiard que j'aime beaucoup. Là, c'est une bague Wouwiard. Et là, c'est une bague Wouwiard. Full. Et j'ai mis un petit body noir tout simple avec un jean noir. Et bah écoutez, l'automne est arrivé puisque je vais remettre également mes bottes. Parce que j'ai froid. Je suis quelqu'un qui n'a jamais froid d'habitude. Mais là, j'ai froid. Et en parfum, j'ai mis mon petit... Alien Goldess, je sais pas si c'est vraiment le Goldess qui s'appelle. Goddess. Donc voilà, bref, je clôture ce vlog là. Bien entendu, je vous en reprends très très rapidement et qui sera un peu plus fourni. Je suis désolée pour celui-ci. Mais c'est vrai que on a eu plein de choses depuis qu'on est rentré à faire, à régler, etc. Donc tout est réglé, c'est bon. On n'a plus qu'à reprendre un bon rythme puisque je reprends demain 2 jours. Et puis, bah, ça va bien se passer. Hein. Petit spoiler, j'ai déjà perdu 3 kilos avec mon rééquilibre alimentaire. Donc, je suis très contente. Mais c'est pas fini. Et puis, c'est pas des kilos gagnés. Quoi, hein. Je sais que si je me relâche, je peux les reperdre très, très vite. Bref, je vous laisse là et je vous dis à très vite dans un dans de prochaine face cam. Vous allez avoir 3 face cam normalement cette semaine. Une poids PMA make-up, un retour de course et un ma collection de sacs à main. Donc voilà. Avec un What's in my bag à l'intérieur. J'espère que ça vous plaira. Et lundi, on se retrouve pour un nouveau vlog. Je vous envoie des bisous. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très très bientôt. Bisous tout le monde.